Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve sur Timberborn pour poursuivre la partie ensemble. Aujourd'hui, on va commencer la construction d'un tout nouveau quartier qui va se trouver ici. On va prendre possession des lieux et faire ce que je vous avais dit au début, c'est-à-dire un quartier avec des canaux. On va continuer à canaliser en fait nos rivières pour les amener vers la sortie de la carte avec une petite difficulté qui est que il n'y a pas de possibilité vraiment de faire de barrage ici facilement puisque... on est tout au même niveau, c'est-à-dire que l'eau ne va pas s'écouler vers le bas. Donc si je mets un barrage, elle va forcément être retenue ici. Et du coup, je n'aurai pas d'eau. Enfin, soit j'aurai de l'eau partout, soit je n'aurai pas d'eau du tout. Donc on va devoir s'amuser d'aller creuser jusqu'ici pour réduire le niveau de l'eau de une case, mais uniquement au niveau de canaux. Alors c'est tout à fait possible de le faire. On va déjà s'affairer à créer les chemins pour venir vers notre nouveau quartier. On a déjà ici un escalier tout fait, donc on va en profiter. Et puis là, on va descendre par ici, pourquoi pas. Faire un escalier, un autre, encore un autre. Voilà. Les travaux en cours sont en train de se terminer. Ici, on avait une éolienne en plus, un moulin à vent. C'est à peu près tout. Donc l'objectif là, ça va être de faire un observatoire et d'aller exploiter le fer avec la mine souterraine. Et au niveau de mon quartier principal, on avait terminé la reconstruction des éoliennes, donc ça c'est pas mal. Je vais terminer par reconstruire la dernière petite qu'il restait. Hop, et après je pense qu'on fera plutôt une deuxième batterie parce que je vois qu'ici, pendant la nuit, elle se recharge pas mal. Donc en avoir deux serait peut-être bientôt utile si on voit que ça vient au max. Alors on perd un peu du rechargement, ce serait un peu dommage, vaut mieux que l'énergie se répartisse sur deux batteries du coup. Voilà. Donc bon, on est quasiment le matin là, mais ça vaudrait vraiment le coup maintenant d'en faire une deuxième. On va le faire. On va d'abord les laisser un petit peu avancer ici. Je vais tirer un chemin. Le but, ça va être de mettre le centre du quartier vraiment le plus au milieu entre ceci, ça... et ça. Donc idéalement, quelque part par ici, ce serait vraiment bien pour tout atteindre en un seul coup, si c'est possible. Je sais pas si ça va être possible, on verra. On va se mettre comme ça, on verra un petit peu quand les escaliers seront faits, jusqu'où on peut porter. Jusqu'à quelle portée on peut aller. Ok, alors la batterie à gravité, la deuxième, je la mettrai bien. Si je veux faire au plus simple, on va la mettre là. Là, elle ne gênera personne. On va peut-être également la mettre sur deux de hauteur, ou plutôt sur un, parce que ce sera plus facile. Donc ça veut dire landscaping, ceci, énergie, la batterie, comme ça. Pas besoin de faire des échafaudages, ils vont pouvoir travailler à une case de hauteur, il n'y a pas de problème. Et puis l'énergie, on devrait pouvoir y arriver sans trop de soucis. Je vais mettre un coude comme ça. Ici, on devrait évidemment grimper. Comme ça. Et puis là, on peut aller tout droit. Et si jamais on doit passer par-dessus, on pourra faire des escaliers pour passer par-dessus. Et voilà, ça ne demande pas plus d'efforts. On va la laisser travailler. Et le reste, je pense qu'il est resté également ceci. Le lit d'eau a terminé. Ils sont en train de le faire. Ils vont être contents là parce que c'est quasiment terminé. Et on va tout doucement en voir venir. Bon, généralement, c'est les plus jeunes souvent qui viennent parce qu'ils ont rien d'autre à faire que de glander. Il n'y a pas d'école dans le jeu. Ça pourrait être cool qu'ils en rajoutent. Ok. Et ici, on a également, je pense, quasiment terminé, probablement. Donc, on va travailler pour avoir un peu plus de castor ici. En termes de carottes, on est un petit peu limite. Et en fait, avec la ferme là, on est un peu trop peu nombreux pour travailler correctement. Donc je vais rajouter une ferme ici. Parce que c'est aussi bien qu'ailleurs. On va mettre un stockage en dessous. Comme d'hab. La ferme, ça fonctionne comment là? On a fait un coin devant avec l'escalier. Je vais mettre ça comme ça. Ferme. Structure avec l'escalier. Ça, ça. Et on va mettre l'épouvantail ici.
Voilà. J'aurais pu également mettre la deuxième ferme là, ça m'aurait évité de mettre un épouvantail. Mais bon. Je crois pas que ça coûte tellement cher. 5 troncs et 10 papiers, du papier, j'en ai vraiment plein. Il n'y a pas de souci. Cool, avec ça on va pouvoir agrandir nos champs. Je vais également mettre de nouveau des abeilles au milieu, hein, on va toujours le faire maintenant. Quand je verrai que j'ai plus assez d'argent, pourquoi je ne l'ai pas fait là? Pourquoi je n'ai pas mis d'abeilles? Parce que tout simplement j'ai assez à manger. On va le faire après quand on verra que les chiffres ne seront plus aussi bons. Mais pour l'instant on produit bien plus que ce qu'on arrive à consommer et j'ai l'impression que ça va rester comme ça toute la partie. Wow, attendez. Il n'y a plus d'eau. Oh, attendez. Je suis à une hauteur de 1 et là... Ah oui, attendez, 1,5, il faut mettre 2. On va remettre un peu d'eau là. J'avais laissé à 1,5 après une saison humide, en fait. Pas grave. On va re-remplir. On voudrait pas que nos forêts meurent et nos champs non plus, surtout pas. Et puis on va revenir sur 1. 1 et 2, c'est la bonne hauteur en saison humide. Cool, alors les escaliers sont quasiment terminés. Faut vraiment pas sous-estimer dans le jeu le besoin de planches. Hein. Je me suis un petit peu fait avoir entre guillemets, mais maintenant on a 4 productions de planches boostées, donc ça devrait honnêtement aller, je pense. On va mettre les deuxièmes types de champs ici, mais on va faire le simple, hein. On va faire les tournesols. Je vais venir comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Ok, on peut mettre peut-être en nourriture une ruche là, par exemple. Je veux vraiment pas booster de trop. Ça, enfin, si, c'est utile, mais... J'ai pas vraiment besoin d'optimiser. On a plein de place. Donc, je disais quoi? Je disais tournesol. Comme ceci. Je pense qu'on peut sans problème planter également là. Et on va remettre quelques carottes ici. Là, je suis pas trop sûr que ça va être vert, mais on peut tenter le coup. Ça a l'air d'aller. Voilà, avec ça, on va pouvoir monter un peu la population sans souci. Qu'est-ce qu'il met ici? Oh, attendez. Faut pas que j'oublie de régler ici le réglage de nourriture. Aucun. Et on va mettre uniquement... La nourriture basée sur le tournesol. On ne tombe pas dessus, évidemment. Évidemment, évidemment. Sinon, on serait... Voilà, les graines ici. Bien, on retourne voir de l'autre côté. L'escalier est terminé. On va voir un petit peu la portée dont on dispose. Wow! C'est moins que ce que j'aurais espéré, mais bon, c'est vrai que c'est déjà loin. Est-ce qu'on peut faire un raccourci quelque part? On passe par là, par là, par là. Non, je suis vraiment au plus court que je peux. Donc, on n'ira pas plus loin. Et là, le centre est encore plus loin. Donc, on sait jusqu'où on va pouvoir aller. Donc, ce qu'on va faire avant de mettre le district, c'est de le mettre en hauteur. Parce qu'évidemment, avec l'eau, pour l'instant, je ne peux pas le mettre. Si je le mets, je vais vous montrer si je le mets. Si je le mets là, il est submergé, donc il ne pourra pas fonctionner. Donc, ça veut dire qu'on va le mettre ici. Je vais mettre l'entrée vers le bas en espérant que ça puisse nous aider un petit peu pour la porter vers le bas. Pas sûr qu'on arrivera à faire en une seule fois, sinon on fera un petit saut de puce avec un district intermédiaire. Voilà, il faut que je me mette au bon endroit. Zut. Voilà, je peux faire comme ça et vérifier que c'est bon. Ok, là on est un tout petit peu trop loin. Donc on va faire ça comme ça. Juste de quoi poser le district, pas plus. Et un escalier. Alors justement, ça aurait été pas mal de mettre l'escalier vers le bas. Et donc de décaler de 1. Ok, on va faire ça.
Voilà, voilà les constructeurs. Ça, ils vont pouvoir le faire tranquillement. Il n'y aura pas que ça à faire. On aura besoin d'autres choses avant vraiment de séparer les districts. On les séparera, je pense, à cette hauteur-ci. Là. Et là. On aura besoin d'un nouveau poste de distribution parce que celui-là est un petit peu saturé en route et il est également pas placé au bon endroit. Donc on va bouger. On va en mettre un autre plutôt. On va mettre ça. On va placer... Ici. Le poste de distribution. Je vais pas le mettre trop loin pour pas faire trop travailler mes gens. Mais pas trop près non plus pour qu'au niveau de la réception, ils viennent chercher assez facilement la nourriture. Ils ont besoin, donc je le mettrai bien là. Ça me paraît relativement bien équilibré. Ok, bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça se fasse. On va continuer à faire notre petit tour. Revenir ici, voir comment un petit peu on a avancé. Manque des planches, toujours, évidemment. Et en termes d'explosifs, donc les explosifs, on les amènera dans le nouveau quartier. C'est là qu'on va commencer à creuser nos canaux. Alors, ça m'empêche pas déjà de prévoir également qu'on puisse connecter ce district en haut et le district ici en bas, qu'on crée le nouveau. Donc on va faire un chemin qui va venir par ici. Comme ça. Après on verra parce que je sais pas encore trop par où je vais faire passer les canaux. Et en tout cas là... On est dans le rouge, mais on peut avancer plus et on pourrait déjà commencer les travaux de terraformation par là, en fait. Donc on va demander ajouter une route vers là. On va envoyer des explosifs. De toute façon, des explosifs, j'en veux partout. Hein. On en a toujours un peu besoin. Quand on a besoin, on aime bien en avoir sous la main. Donc, on va demander d'en envoyer, mais d'en garder toujours... Ouais, d'en garder toujours une cinquantaine ici ou une vingtaine. Voilà. Et ici, on va en accepter. Donc ça, c'est la limite haute. Peut-être on pourrait en stocker ici une quarantaine ou 25. C'est vraiment au milieu que j'en veux le plus. Là, on peut déjà en stocker un petit peu. Ok, est-ce que j'avais pas un entrepôt de trop où je savais pas trop quoi mettre? Je ne pense pas, mais on a celui-ci qui est généraliste. Je peux mettre dessus les explosifs en plus. Ok, alors l'éolienne là est terminée. On va travailler sur une batterie à gravité supplémentaire. Une deuxième, ce sera pas inutile. On va la mettre un peu plus haut. Ici. Comme ça. Énergie. Ce sera déjà pas mal. Hein. Celle-là, elle va être un peu plus productive que l'autre. Et on peut la connecter sans trop de difficultés. Je dirais par ici directement. Ouais, ok. On est parti. Ça... Ensuite, on monte. Faudra encore monter. Ici. Et là, juste un coin, c'est bon. Après ça, on augmente un peu la population et on fait un observatoire. Donc si on veut augmenter la population... là, je vais laisser le poste de transport. On va devoir mettre des gens, finalement, quand même, vu qu'on a quand même quelques échanges. Non, on a 4 transporteurs ici. Hein. En plus d'être constructeurs, ils sont transporteurs. Mais on aura certainement besoin de plus de gens. Hein. On en a 20 pour l'instant, la population. Il y en a peut-être 4 en plus potentiel, mais pas plus. Donc, c'est pas énorme. Je vais regarder un petit peu les nouvelles maisons.
qu'on peut débloquer ici, la plus grande. Ça coûte 250 points, j'ai 4000. On met 9 personnes dedans. Ça va peut-être être un peu beaucoup. Mais ça peut être cool. Alors si je veux grouper un peu les maisons là, pour de futurs bonus que je voudrais peut-être ajouter, ça va être un peu compliqué. Parce que c'est vraiment beaucoup plus haut, donc c'est un peu embêtant. Ça, c'est plutôt vraiment pratique quand justement on est en dessous d'un niveau qu'on doit atteindre. Là, c'est vraiment pas le cas. Donc je me dis que peut-être on devrait les mettre au-dessus, mais avec des plus petites. Et trouver un moyen de les faire monter bah, par là, sur le côté. Ouais, je crois que là, ça va être vraiment être le plus simple. On va en refaire deux. Faire ceci, faire ça, et escalier qui monte à l'étage. Comme ça, on continue également cette structure-là, ça va être pas mal visuellement. J'aime bien. Alors ici, attention, on s'est pas connecté par la route. C'est bon. Ok, on est bien ici, on va juste regarder si on a déjà eu des explosifs. Voilà, déjà, on en a 30 ici. Je n'ai pas demandé 25. Bon. Donc là, on peut déjà commencer à se dire où est-ce qu'on va faire péter, j'ai envie de dire là au milieu, sur une largeur a priori de 2. On va essayer de faire des canaux de 2 de large pour ne pas perdre trop de terre. Et donc, on est dans ceci. Ça, dynamite. 1, 2. On peut déjà essayer de faire ça comme ça. Enlever ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2, ça fait seulement 14. Hein, donc, c'est pas... On va creuser au fur et à mesure pour rattraper le niveau en dessous. Allez, les gars. Faites-moi ça. Faites ça bien. Ici, bah, ça avance, mais plutôt doucement. Pourquoi? Parce qu'on a demandé d'autres choses. Hein. Ceci et ça qui est très très coûteux en planche. Après, les carences sont faites, donc c'est bon. Le lido est terminé. Je vais essayer de lancer un peu moins de travaux que les dernières fois. Juste ce que je voudrais vraiment encore ici, c'est une grosse citerne supplémentaire. J'en ai une là, j'en ai une là. J'en ai pas une dans le centre, une grosse. Ça manque, je trouve. Donc j'en veux une. C'est un gros point de passage, donc c'est bien si on a une grosse citerne ici. Et puis j'ai besoin de plus de stock toujours. C'est toujours mieux. Là c'est bon. Secteur minier, je pense qu'au niveau de l'énergie, on est vraiment prêt à... On est en pleine journée, la batterie est pleine, elle se vide pas. Donc on a beaucoup beaucoup d'énergie. Ça dépend des moments, évidemment, là, il y a du vent. Mais en tout cas, on va faire l'observatoire. On va le coller ici pour avoir de l'énergie directement. Et on va venir le mettre là. Ne pas oublier de temps en temps, éventuellement. Je vais faire un temple ici, mais on va également faire des petits shrines pour avoir les petits bonus. Je ne sais plus ce que ça donne, mais ça me semblait que c'était un petit bonus intéressant. Je crois que j'en avais déjà fait un quelque part par ici. Il y en a un là. Ça en fait un deuxième là. J'en mets encore un ici et ce sera bon. On mettra également un temple. J'ai pas vraiment les troncs nécessaires pour le moment. Ça va venir. On en brûle pas mal à la fonderie, évidemment, pour faire les plaques de métal. On a 249-250 poutres de métal. On produit bien. Et au niveau de nos constructions, là, c'est terminé quasiment. Donc il me faut vraiment l'escalier. Pas oublier le chemin. Il me faut vraiment l'escalier. Ensuite je pourrais placer ça. On a ça. Il faut qu'on ait également le poste de distribution et qu'on lance les petites routes de transport. Et après on pourra poser le centre et vraiment créer un nouveau district. On a plusieurs fermes qui se recoupent au niveau de leur endroit de
fonctionnement. Donc je vais mettre une des deux en plantation et une des deux en récolte. Comme ça, ils travailleront bien de concert. J'aurais pu également le faire là avant, éventuellement. Généralement, je préfère... Je ne suis pas trop sûr ce que je préfère, en fait, planter ou récolter. On va mettre un récolté et deux plantés. Alors, c'est quasiment fini ici. Il reste quelques petites dynamites à placer. Au niveau du niveau quartier, on va lancer les routes. Alors, 4 travailleurs pour l'instant transporteurs. On va en laisser 4. On baissera peut-être plus tard. On commencera à amener moins de choses. Genre ici, on amène quand même... Je veux dire, en eau, il n'y a plus besoin. Le bois, il n'y a plus besoin. Il va utiliser son propre bois. De l'autre côté, les planches également. On va laisser utiliser leurs propres planches. Les rouages, par contre, non. Le papier, on laisse. Ça, on laisse pour faire les médecines. Les bouquins, on laisse. Les explosifs, on laisse. Et les baies, bah, faut toujours les laisser comme petite sécurité. En tout cas, peut-être qu'on a besoin de moins de transporteurs. On va en mettre que 2. Et pour l'instant, ici, on laisse 4. Alors, on transporte pour commencer. De l'eau, très important. Des baies, parce qu'on n'en a pas tellement besoin de l'autre côté. Pour commencer, c'est toujours suffisant. Du bois. Et des planches. On n'a pas besoin de plus pour le moment, je pense. En termes de limite de distribution, ben les baies... Attendez, là je suis dans New Amsterdam. Ah oui, c'est sur New Amsterdam, il faudra changer le truc après. Ben on va le faire maintenant, alors on est quasiment prêt. Nouveau district, c'est parti. D'abord, il faut que je mette la porte. Les portes, puisqu'on est connecté par là également. Disons là et là. Hop, hop. Et... Le centre, et c'est bon. Ouf, ok, comment est-ce qu'on va le renommer ? Quartier des canaux d'Amsterdam, parfait. Migration, on va demander d'avoir toujours, disons... voilà, on avait mis 6, bah, mettons 6 aussi. De toute façon, on va mettre en place un vrai quartier hein, avec des habitations, etc. Ça, c'est clair. Donc, ok, on va revenir ici, mettre les limites. Berries, bon, on va quand même en accepter 100. Les explosifs. Ah, il faut pas que j'oublie de mettre les explosifs. On va accepter ici juste un stock jusqu'à une centaine. Ben non, je pense qu'il n'y a pas besoin. On va les utiliser au fur et à mesure qu'on les reçoit. On va mettre 100. On va toutes les stocker ici. Allez, disons 75. Log 800. C'est bon. Les planches, peut-être pas une centaine à la fois. C'est peut-être un peu beaucoup. On va en stocker, disons, 40 ici. Et l'eau, 100. Ok. C'est temporaire de toute façon. Par contre, on a besoin de la route qui amène les explosifs. Ok. Donc ils vont un peu cravacher ici. Je vais les mettre à 6. On a beaucoup de choses à amener. N'oublions pas que quand il me dit qu'il me manque des gens, il y a une partie des postes, c'est pour le poste de transport où je l'ai mis en moins important. Non, je me dis que quand je fais ça, je gère pas vraiment ce que j'ai comme transporteur et ça peut être gênant. Donc je vais plutôt mettre comme les autres et régler moi-même combien j'en mets. Là, on a mis 0. 3, bon. On va augmenter encore la population ici, il va falloir le faire. Alors la batterie là, c'est toujours pas terminé, qu'est-ce qui manque? Oh attendez, c'est trop loin en fait, il peut pas là. Oh il manque un chemin. J'espère qu'en rallongeant un petit peu ça va aller parce que j'ai pas fait attention à ça. C'est quand même pas si loin. Hein. C'est bon. Je crois que c'est bon. Il met que c'est trop loin quand même encore, hein, zut. Ah, peut-être parce qu'il sait pas construire en diagonale. C'est peut-être ça le problème, en fait. Ok. Alors, j'avais dit que je ferais de toute façon un escalier éventuellement. Faisons-le.
Et voyons ce que ça donne. On viendra voir après. Alors, l'observatoire. Toujours vérifier qu'il n'y a pas de problème. Les planches, on ne les amène pas depuis l'autre côté, donc ça prend un petit peu de temps à se faire quand même. Mais j'ai deux fabriques. Ça devrait aller quand même relativement vite. La résine de pain, on devrait l'amener. Il me semble que j'ai une route pour ça. Sauf que j'en vois pas en stock. Ah, j'en ramène pas. Ok. Oui, non, j'en ramène pas. Il n'y avait pas spécialement de raison. On va rajouter une route. Hop. La résine de pain. Mais on va vraiment pas en envoyer trop. Ça sert pas à grand chose ici pour le moment. On va en laisser une bonne vingtaine en stock. Ok. Alors ici, c'est parti. On détonne. Et on est parti pour faire le niveau suivant. Alors peut-être que là, on va peut-être devoir faire des escaliers supplémentaires. Ça commence à être un petit peu loin. Et là, ils peuvent pas passer. Et je vais pas pouvoir mettre d'escalier parce que j'ai demandé de faire les trous. Alors peut-être que ça va être eux qui vont devoir mettre une partie, celle qui se trouve de l'autre côté. Et ce n'est pas grave. Ça ne serait absolument pas grave si c'était le cas. Ouais, c'est bon. Ils vont le faire, hein, vu qu'on reçoit des explosifs. Ils vont y aller. Trop cool. Ok. J'espère juste que ça va pas être trop étroit. Hein. J'espère que tout le courant pourra être absorbé dans... Tout le débit pourra être évacué par des canaux de 2 de large. Il y en aura 2 de large là et 2 de large là. Deux canaux qui vont se rejoindre dans le petit lac là et puis qui vont s'évacuer par ici. Ça, ça mon plan. C'est ça l'objectif. On va aller voir si on peut... Jusqu'où on peut arriver par ici. C'est loin. Hein. Crash, je peux pas arriver jusqu'au bout. Donc il faudra faire un petit quartier ici juste pour creuser là. Enfin, on a encore le temps de façon avant de finir le grand projet. Hein, donc je ferai ça au fur et à mesure. Allez. Donc maintenant, on a récupéré le niveau de nos canaux, enfin le niveau normal du nouveau quartier, mais on veut arriver au niveau du lac ici, bien sûr, vu qu'on veut un canal. Donc on va devoir encore creuser. Comme ceci. Après, je ne sais pas par où on va se diriger. Faut savoir que la portée d'un canal, c'est 15 cases, je pense, en termes de fertilité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc... On pourrait assez rapidement se déporter vers la gauche. On va venir ici jusqu'au milieu, se déporter un petit peu par là et plonger là. De toute façon, je pense qu'on va sans problème rendre à peu près tout fertile, sans trop de soucis. Et n'oublions pas qu'il y a des bâtiments de toute façon qui n'ont pas besoin de fertilité et on les mettra au milieu, probablement. Voilà, là, il y a le temps, hein. Mais ils vont pouvoir travailler partout. Ça, c'est pas un problème. Comme ça. L'emplacement des chemins est temporaire, hein. Je les mets juste ici pour pouvoir avoir la portée. Cool, ok, ça va aller vite, en fait. Alors, la nouvelle batterie, elle est terminée, nickel. Donc maintenant, des problèmes d'énergie ici. On n'aura peut-être plus des masses, mais si je vois que j'en ai, bah, faut mettre des nouveaux moulins à vent et ce sera bon. Attention, on est en saison sèche ici. Donc je vais anticiper un petit peu. On va remplir.
Plus tard, quand on aura les canaux là-bas, on pourra faire tout d'un coup. Quand on remplira ici, ça débordera et on remplira également par là. Donc ce sera très simple comme système. J'ai déjà eu des parties où ça devenait très compliqué au niveau de la gestion des niveaux, mais là c'est un truc séquentiel très simple. Là, attention, hop, faut remonter. On va un petit peu remplir là aussi. S'il y a moyen, mais c'est même pas sûr. Revenir à 1. Ok. Donc là, les travaux sont terminés. Il faudrait que je réfléchisse à ce que je veux faire ensuite de ce côté-ci. Parce que, bah, on est pas mal. On est pas mal. Regardez, là, il y a tout qui tourne. La batterie se vide un tout petit peu. On va regarder. On a une demande d'énergie de 1420 et on est à 1266 en production, mais là évidemment le vent tourne, le vent fonctionne, donc ça, et on a également les roues qui fonctionnent. On pourrait mettre un moulin en plus sans doute, ça pourrait vraiment pas faire de mal pour la suite, donc je vais le faire. On va commencer par le côté ici. En fait j'aurais plus facile à commencer par le bout. Comme ça, on referme, mais c'est pas grave. Quand je dis on referme, c'est qu'on met les essieux. Je vais vérifier qu'on a bien la portée. C'est bon. J'ai mis un grand. Oui, j'ai mis un grand. Ok, de retour ici. On avance comment? Il manque plus que quelques planches. On va quand même un peu anticiper sur les travaux parce que là, il n'y a vraiment plus grand chose à faire. On va laisser la priorité élevée pour que ça se termine en premier. Mais on va déjà commencer à se diriger par là. Par où va-t-on passer? Pas forcément évident, on a beaucoup à grimper. Hein. Qu'il en soit, il faut de toute façon tout grimper, donc on n'aura pas trop le choix. Il faut monter jusque là, ce niveau-là, et puis redescendre. Je proposerais de redescendre par ici. De ne pas monter inutilement ce qui ne doit pas l'être. Et donc, bah, peut-être ouais, de monter par là. S'il y a moyen ici tout droit, ce serait en fait idéal. On va regarder ça. Ça. On va devoir faire. Là, ça monte de 2, donc on va devoir reculer un peu notre escalier. Comme ceci. Est-ce qu'on va porter assez loin? Bah ça, on découvrira ensemble. Bah oui, a priori, de là à là, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut raccourcir un peu en montant là et en faisant un escalier qui descend là. Ce sera légèrement plus court, mais je crois que ce sera bon comme ça. Allez, plus que 4 planches. C'est bon. Alors, j'ai pas de travailleurs. J'ai quand même fait 2 maisons en plus. Elles sont connectées, oui. Là, on a fermé. Là aussi. Mais le hauling post, j'aimerais bien l'ouvrir quand même, hein, qu'on ait quelques transporteurs. Viser peut-être d'en avoir 2. Minimum, plus 4 ici donc. Ça me paraît pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 6 postes non occupés. 5 et 2. Donc il va me falloir encore plus de population. Déjà on va remettre une maison. Voilà, on est déjà pas mal occupé avec les projets. Je vais repartir de l'autre côté. Ça avance pas mal. Alors pendant que ça avance, on va s'occuper de faire des maisons, etc. pour nos petits gars ici. Ceci sera la réserve d'eau. C'est pas énorme, mais c'est pas mal et on pourra éventuellement creuser un peu plus avec des explosifs aussi, si on veut. D'ailleurs, on va déjà en mettre un petit peu. Parce qu'après, je vais mettre dessus la pompe et on aura du mal à réaccéder.
D'accord, donc si je viens choisir l'endroit déjà. On va en mettre une là. Et donc on va creuser ici. Oh, on est en bas de la carte, d'accord. C'est le point le plus bas de la carte, je peux pas creuser plus bas. Ok. Oh, c'est pas tellement grave. De toute façon, il y aura quand même beaucoup d'eau parce que les canals seront reliés. Donc en termes de quantité, il y aura quand même... Il y aura quand même une bonne quantité. Hein. De toute façon, on a besoin d'eau pour nos gars ici, donc je vais me faire ça. On va mettre une grande citerne plutôt du côté du milieu de la map. Ici. Ça, c'est une chose. Alors pour manger, ben, on reçoit la nourriture de l'autre côté pour le moment. Et on va s'occuper de... du dormir, des maisons. Donc je pense qu'on va partir sur un setup avec ces grandes maisons quand même. Et le truc c'est que ça va me coûter quand même cher en passerelle encore. Et donc en planche. Donc j'ai envie de faire un truc qui va être un petit peu rigolo. Je veux dire, on a plein de place, hein, faut pas s'inquiéter pour cette partie. On a largement de quoi finir la partie en termes de place. Je vais faire des trucs au sol, on va faire un genre de pyramide. Petite pyramide avec une base de 9, puis on passe à 4 et puis on passe à 1. Je trouve que ce sera assez rigolo, on va essayer de faire ça comme ça. On va voir un peu ce que ça donne visuellement. On va essayer des trucs. Donc là déjà on aura 9 en population avec ceci. Disons qu'on va en mettre encore une en plus. On aura un chemin qui fera tout le tour. 1, 2, comme ceci. On va essayer d'avoir l'indépendance assez vite également pour la nourriture et pour le bois. Donc je vais planter direct mes petites plantes préférées, les carottes. On va les mettre... Je vais faire un champ quelque part ici. Hein. De l'autre côté du canal. Comme ça, on rajoutera les abeilles plus tard quand on aura un soigneur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Là, je veux juste faire le truc pour que ça, qu'on puisse avoir déjà de la production assez vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ça. Et la ferme va donner sur le canal. La sortie sera au-dessus de l'eau. Et on descendra vers les champs au-dessus de l'eau. Pourquoi pas? Why not? Why not? Why not? Why not faire comme ça? Ça me paraît bon. La petite déco. Bon, le papier, on va l'amener plus tard. Je vais la mettre là. Et on va stocker les carottes ici. Voilà, comme ça, j'aurai des baies qui viennent de l'autre côté, mais ça, on arrêtera au bout d'un moment. Et de toute façon, ça va se remplir. Et voilà. Maintenant, ce que je dois faire également ici, c'est enlever ça et remplacer par du solide. Si possible, le plus vite possible. Ça ne demande que des troncs. Ça devrait pouvoir aller assez vite. Secteur minier, allez, une petite terrasse, peut pas faire de mal, on peut en mettre une facilement ici. Ça va pas coûter grand chose, ça va booster un petit peu. On a déjà le feu de camp, bon j'en ai qu'un, je pourrais en mettre deux éventuellement. Il faudrait vraiment qu'on ait plus de population, la nourriture ça va, l'eau ça va. Et on a 6 petits et 5 lilies, donc c'est une question de fertilité, il faut que ça se reproduise un peu plus vite. Ça va venir. Bon, évidemment, dans la saison humide, je peux pas faire grand chose ici en termes de travail. Je pense que... Je sais pas s'ils peuvent construire quand le bâtiment va être sous l'eau. Pas sûr. Ça a pas trop l'air de les gêner. De toute façon, pour l'instant, ils font ceci.
Le métal c'est terminé, on va enlever ceci, récupérer des travailleurs. Et la portée pour la mine c'est bon. Ok, donc prochaine vidéo on pourra regarder le métal. Sauf que c'est 4000 pour débloquer la mine, mais ça va, on a 7300. Je pourrais le faire. À noter qu'on peut produire de la science dans la mine, si on veut. Et la mine consomme des planches traitées. On les produit pas loin, ça c'est bien, on pourra les amener là sans trop de problèmes. Et elle consomme également des engrenages. On fera une petite fabrique d'engrenages, je pense, juste à côté. De ce côté-ci. Ok. Alors on pourra alterner entre production de métal et de science, en fonction des stocks de métal. Ou alors il faudra faire deux mines, une qui produit de la science, une qui produit du métal. Bon, ça on verra. J'aurai quand même deux observatoires, donc je pense que produire de la science sera peut-être pas absolument nécessaire avec cette mine. Alors un petit détail, on a un écoulement qui va se baser sur deux demi-cases ici. J'ai peur que ce setup retienne un petit peu trop l'eau et que le flux, du coup, le débit soit ralenti. Et que du coup, on ne produise plus assez d'énergie ici. Bon, on n'en produit déjà pas des masses par roue. Hein. S'il faut, on élargira un petit peu la sortie pour pouvoir déverser un peu plus d'eau. Ça, c'est des petits réglages qu'on fera au fur et à mesure. Voilà, le canal est refait correctement. Normalement, il devrait... Ça prend du temps tout ceci pour se remplir. Hein. J'ai toujours aussi le projet éventuellement de venir fermer ici. Il y a quand même quelques petits écoulements qui sont un peu gênants. On va le faire. Peut-être déjà au prochain épisode, on va essayer d'aller régler ce problème-là. Bon, c'est pas un gros problème, mais c'est quand même une petite imperfection que j'aimerais bien résoudre. Ça va bientôt recommencer à couler ici. Là, on va s'arrêter pour cet épisode. Prochain épisode, on fait tout péter là. On continue à placer les explosifs pour continuer les canaux. Et on continue à développer nos deux autres quartiers, évidemment. Je les laisse pas tomber, on va continuer à les améliorer au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut à tous !